Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le site Shein. J'ai reçu des pépites. Je suis trop contente car j'ai reçu tous ces produits gratuitement, comme d'habitude, pour vous donner mon avis sincère. Et cette fois-ci, je vais faire des tutos en même temps parce que ça touche la coiffure. Et j'ai pris aussi des produits pour... J'ai pris un aspirateur. C'est la première fois de ma vie que je vais tester un aspirateur. Vous savez, les aspirateurs robots. Je ne sais pas s'il lave ou pas, je pense que j'ai pris celui qui lave ou pas. Donc on va tester tout ça. Donc dans cette vidéo, d'abord je vais vous présenter tous les articles. Aujourd'hui, il y aura un seul tuto coiffure. Et il y aura d'autres vidéos parce que sinon la vidéo va durer très longtemps. Et vous savez très bien que moi, quand je fais des tutos coiffure, j'aime bien vous expliquer de A à Z. J'aime pas prendre qu'une seule mèche et vous faire le tuto. Je fais tous mes cheveux. Donc du coup, le premier article que j'ai choisi, c'est celui-ci. Donc je ne savais pas à quoi consistait ce produit au début. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc pour être honnête avec vous, j'ai regardé sur YouTube en fait comment on utilisait ce produit. Donc j'ai déjà fait la vidéo. La vidéo viendra à la fin de cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais il fallait quand même que je vous montre le produit en question. Le fil est très très bien, il est très très long. Voilà, vous mettez la mèche juste ici. Au début, je n'avais pas compris. Mais je me suis dit, il y a un embout ici, donc c'est logique qu'on met la mèche. Mais franchement, attendez la fin de la vidéo, c'est un très très bon produit. Mais il faut avoir les cheveux propres. Hein. Si vous n'avez pas les cheveux propres, vous n'allez pas avoir un résultat. Donc c'est de la marque Graphic. Le deuxième produit que j'ai choisi, donc là c'est pour les ongles. Donc pour les personnes qui me suivent, j'ai refait, aujourd'hui, là j'ai plus rien parce que j'ai tout emblé, mais j'ai fait des ongles, j'ai fait du gel, j'ai mis du gel. C'est ma prothésiste ongulaire. Je vous mets son Instagram juste ici. Mais vu qu'elle est sur Paris, j'ai pas eu le temps de partir. Et il me fallait la machine pour enlever le gel, le semi-permanent, pour poncer. Et ça aussi, c'est bien. Enfin, cette machine est bien aussi pour les pieds, pour poncer la peau morte. Il est bien fermé. Hein. Très bonne protection. Je vais juste l'ouvrir. Et vous montrer en vidéo l'intérieur. Et je ferai bien sûr le tuto dans une autre vidéo. Hop. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez le mode d'emploi. Après, vous avez la machine. Donc là, on a les embouts. La petite machine. Très mignonne, très girly. Couleur rose. Ça fait vraiment... professionnel, car vous l'avez aussi en forme que de stylo, mais là vous avez vraiment un bon, ah ouais, vous avez un bon boîtier et vous avez la pédale comme si vous faisiez de la couture. Trop bien. Hop hop hop, hop. J'ai encore une boîte, c'est le stylo. Donc ça c'est à tester. Donc ça c'est le deuxième produit. Troisième produit. Donc ça fait longtemps que je voulais tester ce genre de produit. Donc c'est un boucleur sans fil. Voilà, vous avez plusieurs coloris. Il y avait beaucoup de ruptures de stock. Donc tout le monde commande ce genre de produit. Donc on va l'ouvrir ensemble et ça sera... vous verrez le tuto dans une prochaine vidéo. Et vous avez une pochette. Vous avez même un peigne. Vous avez des accessoires aussi. Vous avez deux petites pinces pour recharger l'appareil. Et un tout petit mode d'emploi. Donc là, il vous explique comment faire. Sympa, franchement. J'aime beaucoup. Et on va regarder le produit en question. Il est trop trop beau. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Donc ça sera la prochaine vidéo, je pense. Je vais laver mes cheveux. Tu mets ta mèche là. Je vais la recharger comme ça. En plus, elle est... il n'y a pas de batterie sinon. Voilà. Elle est magnifique. La couleur, elle est magnifique. Donc ça, c'est à tester. Rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Ensuite, produit suivant. On va prendre celui-ci. Donc cette machine, c'est pour le massage mini facial.
pour les muscles. Mais moi, je l'ai pris plus pour le cou et les cuisses. Sinon, pour embler la graisse, vous savez, ils nous disent de faire des massages sur le ventre pour embler les bouts de graisse. Donc, on va tester. Donc, il est toujours aussi bien fermé. Hop, donc, vous avez le mode d'emploi, la notice d'utilisation. Et vous avez tous ces produits. Donc, je ne savais pas qu'il y avait plusieurs embouts. Je regarde s'il est neuf. Oui, il est neuf. Voilà. À la base, je ne voulais pas ça parce que vous choisissez, vous savez, des produits au cas où si c'est en rupture. Mais il y avait énormément de ruptures. C'est-à-dire que tout part. Tout part. Vous avez la charge. Donc ça consiste à quoi? Je ne sais pas. Ah, ça c'est bien, regarde, voilà, c'est ça, je te dis, mais en plus grand. Je ne sais pas. Ça, c'est à tester. Que celui-ci. Non, ça n'a pas été utilisé parce que vous avez l'étiquette dessus. Bon, je l'enlève. Il n'y a pas de trace de doigt et c'est digital. Vous avez le timing. Je vais voir s'il y a de la batterie. Ah ouais, il y a de la batterie. Mais... non, on va le tester parce que ça m'intrigue énormément. Et comment je vais pour faire? Il faut rester appuyé. Hop. En fait, hop. Donc là, je vais mettre vitesse. Je me dis faire les massages comme ça. Là. Ça va être trop bien pour le ventre. Pour la graisse. Même pour le visage. Vous savez, on a le double menton là. Oh my god. Ça, c'est bien pour Maëlys. Oh. Il faut faire moins. Mais pour Maëlys, c'est bien. Ça, elle adore tout ce qui est massage du visage. Moi, je mettrai du film alimentaire. Parce qu'après, les microbes, si tu mets ça sur... pardon. Et même la poussière, on dirait. Là, il y a ma peau. Bon, j'ai pas mis de fond de teint, mais si tu fais ça au visage, me mettre du film alimentaire. Comme ça, les microbes restent pas sur la boule. Donc ça, je ferai une petite vidéo, ne vous inquiétez pas, mais massage, là, mais ça, je sais pas, ça sert à quoi. Ah, peut-être pour le visage, là, non. Ça va faire la forme du visage. Attends, je vais quand même essayer. J'ai envie de dormir. C'est trop bizarre comme sensation. À la base, c'était pour les muscles, mais moi, je vais l'utiliser pour le visage. Hein. J'endormir, rester connecté. C'est un massage quoi, il fait vraiment un massage. Ah, mais ce produit est magnifique. Franchement, prenez-le. C'est bizarre, on dirait que je bouge. Bon, bref. À la base, c'était pour les muscles, mais moi je vais utiliser plus pour mon ventre. Avec ça là. Bon, il est pas assez. Mais c'est bizarre, hein. On dirait, quand je parle là, on dirait que c'est en train de bouger. Faites attention, peut-être c'est dangereux, je sais pas. Je pense pas. Hein. Mais ça, pour créer un joli facial sans double menton, c'est à tester. Je vais faire un avant-après. Je vais regarder là, ma peau là. Donc à force de modeler peut-être, ça va partir. Tu vois, on va lifter tout ça au naturel avec cet appareil. Donc ça, franchement, waouh. Je trouve qu'on peut se marquer facile. Bon bref, c'est à tester. On verra bien. Ensuite, produit suivant. Franchement, j'ai choisi des articles que j'ai jamais testés, dont celui-ci. Il est bien fermé. Je regarde au cas où. Donc là, je l'ouvre en direct avec vous. Hop, voilà. Hop.
Moi, je me méfie toujours des produits, si ça a été ouvert ou pas, on ne sait jamais. Moi, j'ai reçu la couleur bleue, bon, c'est pas grave. Et là, j'ai pas de... Ah si, elle est là. Elle est juste en dessous. Hop, la prise. Toujours pour recharger. Bah, du coup, j'en ai plein de prises. Donc, tu branches. Ah, c'est là. Je me suis dit, où est-ce que je vais appuyer? Massage Light Charging. Ok. Là aussi, tu fais un massage sur ton cuir chevelu. Donc ça, c'est bien pour stimuler le cuir chevelu, la repousse. Après, je sais pas si je mets, si je peux mettre, tu sais, si tu fais un masque avec de l'ail et tout. Puis ils disent toujours de stimuler le cuir chevelu quand vous mettez vos masques. Donc ça aussi, je pense que ça sera pour Maëlys. Et là, vous allez me dire, mais Belma, t'as besoin que de massage en ce moment ou quoi? Ouais, je pense. Ah ouais, ça fait du bien. Ouais, là, c'est bon. Vous m'avez perdu, là. Oh. Je sais pas après si, je sais pas si ça me fait des pellicules ou pas. Ah ouais, it's my good. Ah, c'est tout bien. Ah, mais je vais vraiment dormir avec vous. Et là, pour l'intensité aussi. Ah, il y a massage. Massage. Après, pour aller en bas, comment on fait, par exemple? Ah. On dirait un vibreur de téléphone. C'est trop bizarre. Vous avez trois intensités. Franchement, ça fait des massages. Et là, ouais. Donc 1, 2, 3. Par contre, ils nous disent pas quand c'est massage light ou charming. Bon, j'éteins. Donc ça aussi, ça a testé. Ensuite, j'ai pris ce produit. Et oui, une tondeuse avec tous ces accessoires normalement à l'intérieur. Donc là, vous allez me dire, pourquoi tu as pris ça? Ben, c'est pour les cheveux de Gabriel. Quand... Vous savez, quand vous êtes en vacances ou quoi, vous n'avez pas le temps d'aller chez le coiffeur, ben, je pourrais au moins tondre le dessous. Et 3,5. Il est au-dessus de 3,5, mais bon, je ne pourrais pas faire la même coiffure que chez les coiffeurs, parce que ce sont des professionnels. Mais pour vous dire aussi que vous pouvez retrouver des tondeuses sur le site Shein. Donc c'est super bien emballé. Vous avez une trousse comme ça. Ça, c'est bien pour la fête des pères. Si vous voulez offrir ça pour la fête des pères, c'est très, très bien. Et j'en ai testé des tondeuses. Hein. Ils sont tous à la poubelle. Hein. Il est au complet. Donc, pour l'emmener en voyage, c'est très, très bien. Donc là, vous avez la notice d'utilisation. Avec tous les produits à l'intérieur. Vous avez même une blouse, quoi. Toutes les têtes. Ok. Ouais, j'ai vraiment deux tondeuses. Première tondeuse. Là, t'as la protection de la lame. Vas-y, ou pas ? On lève pas. Je vais rêver. Pourquoi? J'ai tendu les poils de mes bras. Ça tend super bien. Voilà, j'ai déjà fait le test, j'ai déjà pâtissé, mais ouais, je suis poilue, une femme poilue.
Normal, je suis une turque. Les turcs sont poilus. Là, j'ai le bébé. Par contre, là, il n'y a pas de protection. C'est normal. Par contre, il y a de l'huile et tout. Il est bien huilé. Ça, je pense que c'est... Ah oui, regardez, c'est digital. Là. Ça rigole pas. Hein. 55% de batterie. Ouais, c'est pour ça que je l'ai pris aussi. C'était par rapport à la batterie. Et là, c'est... Ah oui, là aussi. Là aussi, c'est digital. Regardez. C'est magnifique. Ah oui, de la bombe. Ça... Parce qu'avec les autres tondeuses, tu sais même pas si la batterie elle va se terminer ou pas. C'est assez galère. Attendez, là, je vais voir mes poils. Trop bien. Bon, non, c'est pas pour épiler les bras, mais... Regardez. Petit test en direct live. J'ai pas encore fait l'aspirateur, donc c'est pour ça que c'est pas grave. Mais oh... Magnifique. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Bon, les bras, franchement, je m'en fous. Hein. Trop bien. Ah non, franchement, regarde. Oh, je suis trop contente. Ah, trop bien. Bon bref, je m'arrête là parce que... Laisse tomber sinon, je vais raser. Bon, je m'arrête là parce que sinon je vais tondre tout mon bras, mais c'est trop bien. Parce que moi en été, j'aime bien épiler mes bras. Bien. En 2 secondes, je l'ai fait devant vous. Ne vous inquiétez pas, je vais faire le ménage après. Je n'ai pas encore fait le ménage. Ensuite, ici, on a quoi? Ah, on a les petites têtes de l'autre tondeuse. D'accord. Bah, du coup, ici, on a le petit tablier. Je vais l'ouvrir quand même. Je vais vous montrer. Ah, trop bien. Mais vraiment, pour l'emmener en vacances, en 2 temps 2 mouvements. Trop bien, regarde. Hop. J'adore. Dior. Non, je sais pas. Vous avez. Waouh, c'est quoi ça? Un peigne comme ça, futuriste. Wow, vous avez même des ciseaux. Donc ça pour couper. Et pour effiler, donc ça, moi je suis pas trop fan. C'est vraiment pour effiler, mais bon. Pour les dégrader, c'est bien, mais il faut faire attention. Il faut vraiment avoir la main. Après, vous avez le petit pinceau pour nettoyer la tondeuse, la tête de la tondeuse. D'ailleurs, je vais le faire devant vous. Vous avez la charge pour recharger. Mes tondeuses, donc j'en ai 2. Il est au complet, mais vraiment. Là, on vous montre quand même les accessoires que vous pouvez retrouver dans la pochette. Mais il est trop bien. Franchement, je valide. Je valide. Ça pour la fête des pères. C'est un très très bon cadeau. Hein. En plus, vous avez un code promo. Je vous mets le code promo. En barre d'infos est juste ici pour si vous commandez, vous avez des codes promo, donc vous avez des réductions sur tous ces achats. Ensuite, toujours domaine de la coiffure, cet accessoire, ouais, c'est bien droit. Donc, ça, j'ai déjà testé, j'en ai déjà à la maison, mais je voulais tester celui du site Shein. Il n'a pas été ouvert, il est juste endommagé, donc car l'ouverture est juste ici. Donc, hop.
Ça, c'est pas de notice. Si, il est ici la notice. Donc ça, ça sera dans une prochaine vidéo. Coiffure, mais je vous montre quand même l'appareil. Hop. Tu mets ta mèche de cheveux ici. Tu attends quelques secondes et après tu as des vagues. Je vais juste regarder la longueur du câble. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Donc, vous avez l'ouverture ici, enfin, on-off. Jusqu'à 210 degrés. De 180 à 210 degrés. D'accord. Donc ça, c'est à tester. Restez connectés. Il y aura une vidéo sur ce boucleur Vibe. J'ai pris ce produit. Donc, il ressemble, on dirait, au peigne qui se trouve juste avant. Donc, celui-ci, il est super bien emballé. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai pris le même. Oui, comme je vous l'ai dit, hein, il y avait énormément de ruptures de stock. Donc, j'ai dû rechoisir des produits. Mais là, je pense que elle m'a donné le même, je pense, que l'autre. Celui-ci. Celui-ci, il est petit, la notice. Comment il est bien emballé. Celui-ci, il est plus design. Je pense que c'est pour lisser les cheveux. Hein. Ouais, non, c'est bon. C'est pour lisser. Donc, vous savez, c'est les brosses qui lissent les cheveux. Donc, ça aussi, ça sera dans une prochaine vidéo. Mais regardez, il est très, très beau. Le câble, bonne qualité. Vous avez le petit scratch et le fil est assez long. Ça, c'est trop bien. J'adore quand les câbles sont assez longs. Mais il va jusqu'à 200 degrés. Voilà. Donc, tu mets ta mèche. Et non, ça doit lisser en même temps. Tu vois. Donc, ça, rendez-vous dans une prochaine dans une prochaine vidéo. Tuto. Je voulais un aspirateur pour les... soit pour la voiture, soit pour les canapés. Donc, j'ai reçu celui-ci. Donc, j'espère vraiment que c'est un canapé. Enfin, c'est un aspirateur. Donc, ils m'ont donné la couleur noire. C'est écrit black. Il y a une petite croix. Hop, hop, hop. Ah, attends. Donc, il se présente comme ceci. Là, vous avez un scotch. Je me suis dit, je ne pouvais pas le soulever. En fait, il faut le pivoter. Hop. Ah, trop bien. Et c'est pour aspirer. Ça, c'est trop bien pour les canapés. Ou sinon même pour les matelas. Donc, à l'intérieur, vous avez un filtre en plus. Le filtre, il se trouve juste ici. Donc, j'en ai un en plus. Vous avez toujours le câble pour recharger l'appareil. Donc là, vous avez un embout. Comment on fait? C'est avec celui-ci, je pense. Je pense qu'on fait ça. Ça. Voilà, super. Hop, et si j'appuie... C'est très bien pour aspirer la voiture, vous savez, sur les banquettes, sur les canapés. C'est très très bien. Donc un petit aspirateur portable, là, nickel. Ça, il va rester dans ma voiture, je pense. Et vous avez la pochette qui va avec. Donc la prochaine fois, je ferai une vidéo quand je vais aspirer la voiture. Hop. Je pense que je ferai des TikTok aussi. Donc, très intéressant. Hop, je pensais qu'il allait être plus grand, mais non. Au début, je me suis dit, mais où est l'aspirateur? En fait, il était tout en bas. Hop, hop, hop. Donc, la première fois, je vais tester un aspirateur robot. Là, vous avez le réservoir d'eau, et donc il va laver en même temps. Donc là, ces petites balayettes.
J'en ai deux. C'est pour mettre l'eau dans juste ici. Donc là, vous avez le câble avec la petite brosse. Vous avez une lingette avec le double face. Hop. Donc ça a moins d'accrocher, je pense. Elle est trop mignonne la lingette, mais je pense que ça va durer longtemps la lingette. C'est à 50 euros, je crois, l'aspirateur. 50 euros. Je sais pas si pour 50 euros ça vaut trop ou pas. Donc c'est toi qui dois le monter, à ce que j'ai compris. Et là, tu as le bouton. Oh! Donc, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je vais tester ce genre de produit. On verra bien. Donc ça sera dans une prochaine vidéo. Restez connectés, vous avez les roues aussi. Et là, c'est quoi? C'est les piles, je sais pas, la batterie. Donc, je vais... En fait, c'est là que j'appuie. Ça, c'est ça. Ok, donc je referme. Hop, il faut bien recharger. Là, c'est pour insérer les petites balayettes. Donc voilà, bon après ça doit pas être un truc de malade, hein, un fou malade je pense pour 50 euros. Mais bon, s'il peut faire son job dans les chambres des enfants, parce que j'ai du parquet, en plus ça c'est bien, il est tout fin. Il pourra rentrer en dessous de mon lit. Parce que c'est galère la poussière, surtout dans le, en dessous du lit de Maïlys, il y a énormément de poussière, il faut à chaque fois le déplacer. Mais je pense qu'il va faire son job, je sais pas où il va mettre la saleté surtout. Mais bon, c'est ça à tester. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Alors, je ne sais pas si ça veut dire quoi. Il y a un petit mot ici. Là, je vois une télécommande. Vous êtes bien d'accord avec moi? Peut-être qu'elle est tombée, mais il n'y avait pas de télécommande. Je pense qu'ils m'ont donné... un aspirateur qui est défaillant, je sais pas. Attendez, je regarde s'il n'est pas tombé le. T'as ça, d'accord. J'ai pas de télécommande, mais je pense que. Même ça, j'ai pas du coup. Attends. Peut-être ça, il était comme ça. Donc ça c'est là. Peut-être c'est le lingette là, non? Mais la télécommande elle est où? Je vais regarder le mode d'emploi là. Ah c'est devant le... Ouais j'ai pas de télécommande. En plus j'ai recharge... Non j'ai pas. Je crois qu'ils m'ont donné un produit qui a été renvoyé parce qu'il y a même une recharge batterie. Là. Il y a le câble, ok. Et où le... Ok, il y a la vis. Il y a la petite balayette. Mop, ok. Manuel. Mais la recharge batterie. Installée. Enfin, je pense qu'elle est installée à l'intérieur. Ils disent qu'il y a la batterie, mais il doit être installé à l'intérieur. Mais j'ai pas de télécommande. Elle est où la télécommande? Ah, c'est avec le téléphone portable. Non, désolé. C'est avec mon téléphone portable. Je crois que c'est Bluetooth. Non, c'est bon. Mais j'ai pas... Non, mais regarde, il y a une télécommande ici. Je suis pas bête. Je suis pas bête. Pirouette, cacahuète. Je vais quand même poser la question à la personne qui nous envoie les produits. Donc là, elle t'explique comment faire. Bon, on va regarder la notice la prochaine fois. Enfin, je vais faire une vidéo spéciale aspirateur. On verra. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous laisse avec la vidéo tuto coiffure. Je ne sais pas comment elle va être cette vidéo, enfin les prochaines vidéos surtout quand je vais faire les vidéos test. Je pense que je mettrai
cette vidéo, mais en petite partie, et après, je vous dirigerai directement sur la vidéo tuto. Je pense que je ferai ça, sinon elle va durer très très longtemps à chaque fois. Mais là, je voulais vraiment vous faire la vidéo ouverture du colis, et en même temps, vous insérer une vidéo tuto. Donc, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Vous avez tous les liens en barre d'informations. Utilisez bien le code promo, et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, c'est parti pour le crash test. Donc, c'est la marque Graz. Vous avez le code barre. Vous avez en image le produit en question. Ensuite, derrière, tout est écrit en anglais. Donc, je vous laisse lire. Par contre, c'est pas écrit en français, dis donc. Moi, je pensais que j'allais voir une petite image. C'est pour ça, d'ailleurs, je suis partie sur YouTube pour voir comment fonctionnait ce produit. Donc, quand tu l'ouvres, il est bien emballé. Même le câble est bien scratché. Donc là, je te montre de plus près. Vous avez plusieurs colorés normalement. J'ai vu qu'il y avait en couleur violet aussi. Moi, j'ai pris couleur blanc. J'ai pas. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'ai choisi la couleur. J'ai reçu la couleur blanche. Donc, ça tourne. Et au milieu, tu as... En fait, le côté, c'est une protection. Tu ne te brûles pas. Donc, au milieu, ça chauffe. C'est normal. C'est pour... C'est une source de chaleur pour faire la boucle. Donc là, je l'ai mis à 200 degrés, je crois. Je l'ai mis au maximum. Hein. Et j'ai mis mes petits doigts pour voir si... Parce qu'il n'y a pas de bip-bip pour dire c'est bon, c'est chaud. Donc j'ai touché avec mon petit doigt. J'ai fait attention quand même de ne pas, de pas me brûler. Mais ça va, je ne me suis pas brûlée. Mais ça a chauffé super vite. Donc là, au début, je ne l'ai pas mis dans l'embout au milieu. Parce que je n'avais pas encore regardé la vidéo, mais je regardais. Mais encore, même dans la vidéo, elle n'a même pas mis sur l'embout. C'est moi qui a trouvé qu'il fallait mettre la mèche au milieu dans l'embout. Donc, au début, je teste, je mets à droite, à gauche pour voir. Et je suis assez bluffée dès le début. Donc, tu vois, au début, je ne l'ai pas mis dans l'embout. Je le mets vraiment directement à l'intérieur. Mais ça tourne quand même. Je voulais savoir si je pouvais boucler la racine de ma mèche. Mais en fait, avec ce produit, tu peux boucler à partir, pas du milieu, mais tu peux pas boucler, par exemple, ta racine. Tu vois? Tu as vu, elle est où la boucle? Donc, bon, j'ai bien lavé les cheveux, je les ai séchés. C'est pour ça que j'ai une très, 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 très belle boucle. Si tu utilises ce produit avec des cheveux sales ou sinon avec des cheveux gras, ça va pas fonctionner. Au sens, si tu as... lisser tes cheveux, tu n'auras pas ce résultat. Il faut vraiment avoir les cheveux propres avant d'utiliser ce produit. Car des fois, je vois sur YouTube, certaines personnes utilisent ce genre de produit. Ils disent « Ah, ça ne fonctionne pas ben, !» C'est normal parce qu'elle avait les cheveux tout lisses. Donc, elle a dû utiliser le Steam Pot ou autre. C'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Donc là, j'essaye avec la mèche de devant. Donc, le côté de gauche, mon côté gauche à moi, c'était un peu plus compliqué. Donc, je devais chercher la technique. Donc, j'ai essayé de mettre... T'as vu, t'as deux sens. Si t'as remarqué, droite ou gauche. Donc, il faut que tu fais attention au sens quand tu appuies, au sens de la boucle. Donc là, regarde. J'ai appuyé sur un sens et là, j'ai appuyé sur l'autre sens. Je pense que l'autre sens était meilleur. Donc là, je mets la mèche à l'intérieur et non à l'extérieur. Regarde, voilà. Tu vois, c'est vrai. La boucle, elle est vraiment à l'intérieur. Elle ne ressort pas. Donc, j'étais assez satisfaite au début. Donc, ouais, j'étais contente. Donc là, on va en mode accéléré. Donc là, j'avais trouvé la technique. Donc, je vous la montre. Donc, j'essaye de bouger aussi, je sais pas, l'appareil, on va dire, pour pouvoir bien boucler les cheveux. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Bon, après, ça a pris un peu de temps quand même. Hein. Si t'as pas la main, tu galères au début. Hein. Moi, j'ai galéré au début, pour être honnête. Mais après, ça va. Ouais, avec mes cheveux, mon épaisseur, en 30 minutes, j'ai bouclé mes cheveux. Par contre, après, quand je me suis retournée, j'ai vu que j'avais pas bouclé plusieurs cheveux derrière. Donc, essayez de bien regarder sur vos cheveux derrière aussi. Mais là, ce côté-ci, franchement, nickel. J'avais la main directe. Et moi, j'avais tendance aussi à appuyer sur le bouton. Je sais pas. Je me suis dit, peut-être ça ne va pas aller brûler. Je ne voulais pas rester immobile, comme ça, attendre la boucle soit faite. Mais moi, j'appuie à chaque fois. Tu as vu, j'attends pas. J'appuie, ça tourne, et après, ça boucle. Et voilà.
Après, sur le site Shein, vous avez plusieurs produits, mais c'est en rupture de stock. Vous avez même, vous savez, les Dyson, imitation Dyson, les dupes de chez Dyson. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut. J'essaierai de le commander un jour si il est sur le site. Enfin, pour nous, il était pas sur. Enfin, pour nous, il était en rupture. Pour vous, il doit être. Il n'est pas en rupture, hein, ne vous inquiétez pas. Mais moi, je n'ai pas pu le commander, mais je le commanderai de moi-même. C'est ce que j'ai voulu vous dire. Car je sais qu'il sèche, qu'il lisse, qu'il boucle. Donc, on verra. Affaire à suivre pour la prochaine fois. Mais là, vraiment, j'étais contente de moi. En plus, ce côté-ci, c'est très très pratique. Je réussis à chaque fois mes boucles, même avec mes lisseurs. Hein, quand je boucle avec un lisseur, le côté gauche, j'y arrive tout le temps. Mais les côtés droits, je ne sais pas pourquoi. Il faut vraiment trouver le sens quand vous tournez le produit. Il y a un sens à bien respecter pour avoir une boucle parfaite. Mais honnêtement, je ne me suis pas arraché les cheveux parce que tu as vu, tu as les autres marques. Je ne citerai pas la marque, mais tu as le Bip Bip. Ça, des fois, le cheveu s'est mêlé dans le rouleau. Donc, combien de fois je me suis arraché les cheveux? Là, tu peux laisser. Regarde, je mets n'importe comment la machine dans mes cheveux. Ben, mes cheveux ne s'accrochent pas à la machine. Donc, il n'y a pas de cassure, il n'y a pas d'arrachage de cheveux, quoi que ce soit. C'est ce que j'ai aimé dans ce produit. Donc moi, franchement, je valide ce produit. Après, il faut avoir la main. Si tu as la technique, c'est très très bien. Si tu n'as pas la technique, entraîne-toi, sinon tu vas t'énerver, tu vas mettre ce produit de côté. Mais si tu y arrives, franchement, tu vas l'adopter. Donc voici le résultat. Franchement, nickel. Donc merci beaucoup au site Shein de m'avoir envoyé ce produit gratuitement. Regardez le volume que j'ai. Non, mais c'est incroyable. J'aime beaucoup. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous l'achèterez ou pas. En plus, il n'est pas cher du tout, hein, franchement. Donc, tu as vu, regarde là, il me reste une petite mèche. Je reprends la machine et en 2 secondes, ben, j'ai ma petite boucle. Donc, tu as vu, j'essaie de bien mettre tous les cheveux dans l'appareil et après, c'est good. Allez, je vous embrasse fort et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!